Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ici pour ce grand événement sur les épaules des géants. Je m'appelle Daniel Fievé, je suis journaliste. Alors pourquoi sur les épaules des géants? Pourquoi ce titre? Eh bien c'est un philosophe au XIIe siècle qui avait dit « Nous sommes des nains juchés sur les épaules des géants ». Les géants, c'était tous les penseurs, tous les scientifiques, tous ceux qui avaient pensé avant eux. Eh bien, effectivement, quand on décide de penser, de réfléchir, souvent on s'appuie sur les connaissances du passé. Voilà pourquoi sur les épaules des géants, parce que nous allons réfléchir ici grâce à toutes les connaissances accumulées par nos prédécesseurs. Alors cet événement culturel est organisé par la ville du Havre en partenariat avec le Collège de France, le CNRS, et l'Université Le Havre Normandie. Pendant deux jours, nous allons réfléchir, découvrir le métier de chercheur, d'ingénieur, de scientifique qui vont venir vous présenter des masterclass, des tables rondes, des exposés. Il y aura par exemple demain matin l'astronaute Thomas Pesquet. On va pousser les murs pour que la salle soit encore plus grande, avec encore plus de place pour pouvoir l'accueillir et discuter avec cet astronaute qui nous a envoyé quelques cartes postales lorsqu'il était sur la Station Spatiale Internationale. Ce matin, il y aura sur scène Étienne Klein, grand physicien, philosophe des sciences. Il y aura aussi l'astrophysicien Roland Lehoucq. Tous deux vous présenteront chacun leur tour une masterclass. On fera une table ronde sur le thème de l'énergie éolienne, rien que ce matin. Et puis là, tout de suite, c'est une table ronde à laquelle vous allez assister, une table ronde qui vous est présentée par la journaliste Emmanuelle Picot. Venez donc me rejoindre. Vous pouvez l'accueillir. Bonjour Daniel. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Emmanuelle. Le thème de cette table ronde est ambitieux. Oui. Je vous laisse le présenter. Faire confiance à la science. Oui, c'est un thème ambitieux. En 1972, une majorité de Français considérait que la science était un vecteur de progrès social et qu'elle apportait plus de bien que de mal à la société. 50 ans plus tard, en 2022, 6 Français sur 10 estiment que la science apporte autant de bien que de mal. À quoi doit-on cette dépréciation de l'opinion publique pour la chose scientifique? Est-ce le fruit d'une désillusion collective, de l'accumulation de crises sanitaires et environnementales, de promesses non tenues? Peut-on encore faire confiance à la science? Pour en débattre aujourd'hui, j'accueille Françoise Combe, astrophysicienne et titulaire de la chaire Galaxie et Cosmologie au Collège de France, Alain Schul, directeur général délégué à la science au CNRS, Bruno Macquart, président d'Univers Sciences, et Jean-Noël Castorio, vice-président de l'Université du Havre. Oui. Alors Françoise Combe, comment est-ce qu'on explique ce changement de l'opinion publique aujourd'hui? Est-ce que finalement, les scientifiques sont moins bons qu'avant? Pas du tout, je pense qu'ils sont même meilleurs qu'avant. Mais c'est difficile d'expliquer, il y a beaucoup de facteurs. Je pense que le principal, c'est que justement, le grand public n'a pas assez de connaissances. C'est une méconnaissance, un malentendu en fait, avec les scientifiques. Donc c'est pour ça que cette manifestation scientifique géante est très importante, car elle permet justement de se comprendre entre la science et la société. En fait, je pense qu'on ne comprend pas bien le travail du scientifique. On a l'impression que la science est quelque chose de très établi, un dogme, etc., qui ne change pas. En fait, pas du tout. C'est quelque chose qui se fait tous les jours, qui se change, qui se renouvelle. Le scientifique est toujours en doute, est toujours en train de chercher. Donc on ne voit pas, quand on rentre dans son laboratoire, on arrive avec une humilité assez grande pour savoir quels sont les faits. On ne croit qu'aux faits. Et donc, par exemple, la méthode, ce serait de regarder ce qui se passe, d'en déduire des lois, c'est très déductif. Et ensuite, avec ces lois-là, on dit qu'il va pouvoir se promouvoir quelque chose, une règle. Et ensuite, on essaie de confirmer la règle. Et si les faits ne confirment pas, il faut changer complètement. Il y a toujours, le chemin n'est pas tracé, donc il faut créer le chemin. Et il faut se tromper, se trompe 100 fois et on recommence. Et donc, tout ce fait que la science est en train de se faire, redécouvre tout le temps, n'est pas bien compris. Alors, c'est pour ça que parfois, certains scientifiques disent quelque chose,
et d'autres, ils sont en débat, et donc les autres disent quelque chose de contradictoire. Donc peut-être qu'on comprend mal, ça fait un petit peu un message un peu brouillé. Donc il faut justement que les scientifiques se mettent à la portée du plus grand nombre qui n'a pas encore le contexte pour comprendre. Et je pense, c'est ce que nous faisons par exemple au Collège de France, où je fais la publicité ici, on a 50 professeurs qui font des 600 cours par an, et dans des grands amphis où tout est gratuit et tout le monde peut rentrer, donc assister ou même regarder en vidéo puisque tout est capté. Donc il faut comprendre, et je pense que c'est ça qui est le problème, parce que par exemple la science, elle cherche dans la profondeur et ce n'est pas intuitif. Alors je prends des exemples normaux, hein, pour savoir, on voit très bien que le soleil tourne autour de la Terre, on a l'impression que c'est vrai, pas du tout. En fait, on voit bien que la révolution copernicienne nous a montré que c'était la Terre qui tournait autour du soleil, ça c'est pas intuitif. De même, la Terre est plate, beaucoup de gens pensent qu'en effet, on voit que surtout au Havre, c'est très plat. Donc on pense que peut-être, mais on voit bien que lorsqu'on prend du recul dans la station spatiale, on voit bien que la Terre est complètement ronde. Donc on voit que c'est pas intuitif, et donc peut-être que si on ne cherche pas et qu'on suit pas la science et les progrès, on a l'impression que c'est faux. En fait, c'est pas du tout. Il faut aller plus loin, et en fait, on a découvert énormément de choses. Et pourquoi on a l'impression qu'on a tout découvert? Pas du tout. En fait, le cosmos à l'époque de Copernic, c'était juste la Terre et puis le système solaire. Puis ensuite, on a découvert la galaxie, puis ensuite des galaxies. Maintenant, on est à 12 milliards d'années-lumière, on a découvert 2000 milliards de galaxies. Et on s'aperçoit, bien que quand on regarde derrière nous, on a fait beaucoup, beaucoup de progrès, on s'aperçoit qu'on a énormément de mystères et qu'en fait, tout est à découvrir. Et donc, on a l'impression, peut-être c'est ça le paradoxe, la science dit que finalement, on ne sait rien. En fait, pas du tout. On progresse énormément, et plus on progresse, plus on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses à découvrir. Donc, c'est peut-être ça qui est un petit peu paradoxal, et qu'il y a un malentendu, les gens ne comprennent pas. Et puis, il y a aussi un gros problème, c'est que les gens confondent peut-être un peu science et technique. Le progrès de la science, tout le monde est d'accord, je pense. Et que par contre, il y a parfois, la technique a des défauts. Il y a toujours eu des défauts. Par exemple, la pollution de la locomotive à vapeur, déjà, c'est un problème. Aujourd'hui, on a fait des progrès. C'est beaucoup moins polluant, mais enfin, on a d'autres problèmes comme, je sais pas, les OGM, le climat qui se détériore, etc. Donc, on a l'impression que la science apporte pas seulement du progrès, mais c'est pas vrai, en fait. La science apporte des connaissances, et on va vaincre tous ces problèmes avec les connaissances qui s'augmentent. Est-ce que vous pensez qu'ils sont plus médiatisés aujourd'hui, plus exposés, les scientifiques aussi, avec les réseaux sociaux? On parle beaucoup de fake news. Oui, alors les fake news, ça c'est un gros problème des réseaux sociaux, parce qu'en fait, lorsque justement il y a quelque chose qui n'est pas intuitif, qu'on a vu, la Terre plate par exemple, ça se répand sur le réseau social, et donc, et puis il y a un problème d'intérêt. Les publicités sont beaucoup plus grandes lorsque vous avez énormément de gens qui suivent. Et donc, les gens encouragent cela pour avoir finalement un gain commercial. Donc, il faudrait que les scientifiques vrais amènent des vraies connaissances sur les réseaux sociaux, mais ça, ils n'ont pas le temps, les scientifiques. Donc, en fait, il y a un grand problème commercial, que lorsqu'une idée est fausse, elle est fausse, mais intuitivement, elle pourrait être vraie pour ceux qui n'ont pas eu le temps de réfléchir sur la science en profondeur. Jean-Noël Castorio, bonjour. Vous êtes vice-président de l'Université du Havre, mais vous êtes aussi chercheur. Quel est votre avis sur cette question? Est-ce que la figure du scientifique, elle a évolué? Est-ce qu'elle est différente d'avant? Oui, alors je vais m'exprimer. Oui, au nom de l'université, certes, mais effectivement, au nom de ma discipline, je suis le seul à cette table qui soit issu des sciences humaines. Je suis historien, et en l'occurrence, historien de l'Antiquité. Je dirais que dans le dernier demi-siècle, l'image, le travail du chercheur a considérablement changé. L'image du chercheur, les méthodes du chercheur ont considérablement changé. L'image aussi qui renvoie dans la société et aux médias en particulier a considérablement changé. Et je prends souvent un exemple qui est celui d'une discipline que je connais bien, qui est l'archéologie. Si on regarde par exemple, je le fais souvent avec mes étudiants, l'image de l'archéologue dans les 40-50 dernières années. Dans les médias, dans les ouvrages, dans les films, par exemple. L'archéologue, il y a 50 ou 60 ans, c'est quelqu'un qui est très peu sur le terrain, finalement. Quand il va sur le terrain, il y va habillé tout en blanc, il repart sans une tache, et il dirige des autochtones, égyptiens, je ne sais, qui sont en train de fouiller des tombes. C'est quelqu'un dont le lieu naturel, je dirais, est la bibliothèque, l'université prestigieuse. Et ça, bien évidemment, je suis sûr que tous les jeunes qui sont ici ont une image qui vient, c'est celle d'Indiana Jones, naturellement, la grande figure, etc., qui va pousser beaucoup de mes collègues et de moi-même vers l'archéologie, parce que c'est une figure éminemment sympathique. Si on regarde 20 ans après, l'image a complètement changé dans les médias. L'archéologue, c'est quelqu'un qui est sur le terrain, avec une truelle, les pieds
enfin, quand on fouille, on est souvent les pieds dans, vous voyez ce que je veux dire, et quelqu'un qui est vraiment au contact du terrain. Et si on regarde maintenant, aujourd'hui, regardez sur Arte, je ne sais, il y a souvent des reportages d'archéologie, etc. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit des gens habillés en blanc dans des laboratoires qui étudient l'ADN de vieilles momies, etc. Tout ça, l'archéologue est devenu un scientifique en quelque sorte, alors qu'autrefois c'était un aventurier. Ça, c'est extrêmement intéressant. Ça traduit quoi ? Ça traduit finalement que les disciplines ont profondément évolué, qu'aujourd'hui on ne fait plus de l'archéologie comme un découvreur, on fait de l'archéologie en groupe, qu'on a une spécialisation en fait des scientifiques dans leur domaine, de plus en plus de spécialisation. Et ce qui m'interroge, moi, c'est la question que je me pose, c'est est-ce que c'est bien ou mal ? Et ça dépend du point de vue duquel on se place. Si on se place du point de vue de la science, à mon avis, effectivement, on a plus de chances d'avoir raison à plusieurs. Et je pense que ça, c'est extrêmement important, même si ça peut aussi multiplier les erreurs, selon les lois mathématiques. Mais enfin, mieux vaut, effectivement, travailler en équipe. Si on se place, par contre, du point de vue de la société, du besoin de la société en termes de parole, d'expertise, peut-être que c'est un problème. Peut-être que les chercheurs sont trop spécialisés. Et comme vous l'avez dit alors, tout à l'heure en parlant du temps des chercheurs, c'est vrai qu'on a de moins en moins, ce qui a disparu, je dirais, c'est qu'il y a peut-être encore un siècle, on imaginait un scientifique un peu à la manière de la Renaissance, un humaniste, quelqu'un qui était capable de parler de tout. Aujourd'hui, le scientifique, c'est quelqu'un qui est capable de parler de peu de choses, souvent, qui connaît très très bien peu de choses. Et c'est beaucoup plus difficile à faire passer dans le discours médiatique, à mon avis. Donc il y a d'un côté un progrès de la science, mais un décalage entre la science et finalement les exigences du discours médiatique et la marche de la science qui va vers davantage de spécialisation. Et à mon avis, ça peut être un problème. Juste pour conclure, évidemment, il faudrait, je pense, naturellement que l'université et l'école intègrent finalement aussi cette, dans le cursus scientifique, cette capacité à parler, à s'exprimer, à maîtriser les médias, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Mais il faut aussi voir que les médias ont beaucoup évolué et que la place du scientifique, me semble-t-il, dans les médias, elle est extrêmement complexe. Dans les dernières années, ce n'est pas moi qui le dis, c'était Bourdieu à l'époque, dans les 30 dernières années, on a vu qu'à la télévision, par exemple, c'était la forme du débat qui prédominait. Mais pas vraiment le débat, c'est plutôt le clash, en quelque sorte. Regardez, il y a des chaînes qui passent toute la journée où, finalement, le principe, c'est le clash permanent. Un scientifique, quand il arrive dans ce type de débat, évidemment, il est démuni parce que quand on ne raisonne qu'en termes d'opposition, on crée des oppositions factices, parce que ça crée de l'audimat, donc on crée les oppositions. Donc là, on décrédibilise la parole au moins de celui qui parle, et puis on met au même niveau, naturellement, ceux qui interviennent. Et quand il y a eu la crise du Covid, on voyait des personnages éminents, des éminents scientifiques, confrontés à des chroniqueurs qui avaient lu deux articles sur le sujet, mais le dispositif faisait qu'ils étaient à la même hauteur. Et ça, c'est un problème aussi du côté des médias. Voilà. On a beaucoup vu aussi ces derniers temps avec les questions d'actualité. Beaucoup de scientifiques sont intervenus dans les médias. À tel point que parfois la parole s'est multipliée, on a confondu science et opinion. Certains scientifiques ont même été assimilés à des gourous. Françoise Combes, quelle est finalement la différence entre la science et l'opinion ? En quoi le scientifique est différent d'un gourou finalement ? Alors, c'est totalement différent. Totalement différent. Un scientifique ne croit en rien. Donc n'a pas de croyance du tout quand il rentre dans son laboratoire. Il faut qu'il remette toutes ses croyances au vestiaire et il ne croit qu'au fait. En fait, un gourou, c'est quelqu'un qui est seul, qui croit détenir la vérité complètement et qui n'a pas besoin de preuves. Donc il demande à tout son auditoire de le croire. Donc c'est de la foi, en fait. Et donc en science, il n'y a pas de foi. En fait, si on croit quelque chose à un moment donné, on peut très bien l'abandonner puisque les faits ne le confirment pas. Donc c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Il faut absolument être humble devant les faits et remettre en cause tout ce qu'on croit. Et en fait, c'est très, très déstabilisant. Même on voit, par exemple, au XXe siècle, il y a une science qui était très, très peu intuitive qui a vu le jour, c'est la mécanique quantique. Mécanique quantique, il y a eu beaucoup de débats entre des scientifiques éminents comme Einstein, Niels Bohr, par exemple. Il y avait une interprétation des faits complètement différente. Il y en avait qui disaient que les particules étaient là, le fameux chat de Schrödinger, les relations d'incertitude, et on ne savait pas si les particules étaient là ou pas. Et aujourd'hui, c'est encore le cas, en fait. C'est quelque chose qui est complètement contre-intuitif, et donc même l'interprétation des faits pose question. Donc c'est vraiment un travail de tous les instants, il ne faut croire en rien. Et là, il y a des expériences qu'on fait à l'INSPE, justement, pour bien prévoir ça. Il y a une intrication quantique entre particules, et les particules s'en vont très très loin, et qui peuvent communiquer avec une vitesse qui va plus vite que la lumière, avec la particule précédente. Et ça a créé un débat pendant des dizaines d'années.
On voit qu'il ne fallait croire en rien, il ne fallait pas de gourou là-dedans. C'était deux scientifiques qui discutaient et qui n'avaient aucune vérité. Donc c'est vraiment quelque chose où aujourd'hui on en conclut que la mécanique quantique n'est pas locale. Il n'y a pas de localité. Et donc ça, c'est quand même un fait complètement contre-intuitif et qui vraiment, on croit que... Il y a peut-être une opinion, une science. Non, pas du tout. La science, ce sont des faits et personne n'a détient la vérité. Alors le gourou, lui, détient la vérité. Bruno Macquart, à Universcience, vous accueillez régulièrement des publics. Quelle vision ils ont du scientifique? Est-ce que vous sentez... quelle critique vous recevez finalement de ces publics par rapport à la science? Alors Universcience, c'est un établissement pour ceux qui ne... le connaissent pas, qui regroupe la Cité des sciences et de l'industrie et le Palais de la Découverte à Paris. Nous faisons partie d'une grande famille de musées et centres de sciences à laquelle appartiennent par exemple le Muséum du Havre, l'Atrium à Rouen, le Dôme à Caen. Et nous, on n'est pas des organismes de recherche, nous ne sommes pas des scientifiques, même si on a une formation scientifique, mais on accueille la science tous les jours pour que le public puisse en prendre connaissance. Alors nous, qu'est-ce qu'on constate? Un formidable appétit de science, pas du tout de défiance. On a de nombreux visiteurs et on a fait surtout cette année, on a lancé un baromètre de l'esprit critique, on y reviendra tout à l'heure, et on a demandé aux gens qu'est-ce que vous pensez de la science, et les chiffres sont très différents de ceux que vous avez donnés. Ils sont très très majoritairement en faveur de la science comme instrument de progrès de la connaissance, comme permettant de développer des technologies utiles à tous, comme améliorant la vie quotidienne. Alors, les sondages ou les études sont toujours à prendre avec précaution. Il faut en prendre plusieurs, il faut regarder dans le temps. Personne n'a la vérité. Il faut confronter, il faut débattre. Et ce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est que, en particulier vis-à-vis des enseignants, ce qui est important, c'est d'apprendre à apprendre et d'apprendre à réfléchir. L'esprit critique, c'est comment est-ce que je me méfie de mes intuitions? On ne se méfie pas suffisamment de ses intuitions. On ne se méfie pas suffisamment de la parole autorisée. Est-ce que c'est parce que j'ai une barbe, des petits pins, que je parle du haut d'une institution, que j'ai raison? Il y a aujourd'hui une importance capitale à entraîner dans une masse d'informations, à entraîner les esprits à réfléchir, c'est-à-dire à douter, mais de douter de manière productive. Et les scientifiques, c'est eux qui nous éclairent, parce qu'eux, ils ont inventé le doute productif. Ils savent faire. Et donc, il est important, dans un monde où les bibliothèques sont dans nos poches, où on a accès à toute l'information possible, il faut qu'on apprenne à nager dans cet océan de mots, dans cet océan d'images, dans cet océan d'informations multiples, instantanées. Beaucoup de choses ont changé. Et c'est important de mettre l'accent sur l'esprit critique sans surévaluer le poids de l'anti-science. Ils font du bruit, les anti-sciences. Beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Vous savez qu'une fausse information se diffuse 6 fois plus vite sur les réseaux sociaux qu'une information exacte. Ça, c'est de la science. 6 fois plus vite. On les entend plus, les médias en parlent. Mais si vous regardez, en fait, ils ne sont pas si nombreux que ça. Il y a quelque chose qui me frappe. En un an, le taux d'adhésion des Français à la vaccination a progressé de 12%. On était les plus mauvais, vous vous souvenez, au début du Covid. Tous mes collègues européens disaient « Mais qu'est-ce que vous arrivez en France, vous ne voulez pas être vacciné contre le Covid ?» Mais vous êtes tombé sur la tête. Et on termine un an plus tard, ou 2 ans plus tard, avec un taux de vaccination formidable. Et toute chose égale par ailleurs, si on prend la vaccination dans son entier, les Français adhèrent plus. Donc, si on travaille... Si on fait les choses comme il le faut, eh bien, les Français comprennent la science, l'aiment, et les Français ils sont à plus de 9 sur 10 adeptes des visites de musées. Ils vont regarder des documentaires scientifiques, ils vont sur YouTube, ils regardent la télévision, ils écoutent la radio. Les Français sont friands de science, sont très intéressés par les sciences. Et comme l'a dit Françoise Combe, il ne faut pas confondre science et technologie, il peut y avoir... un débat sur l'utilisation de la science dans la société, ses applications technologiques, c'est légitime d'en parler, c'est légitime de mettre ça au débat. Et puis il y a une crise de l'autorité, il y a une crise de la représentation politique, et peut-être que la science pâtit aussi de ce discrédit qui la touche, mais par ricochet. Alain Schaul, vous, cette crise de l'expertise scientifique, est-ce que vous la ressentez? Est-ce que vous la voyez? Quel regard vous portez face à ça?
un, je veux dire, il faut, ce qu'a dit Bruno est très important, hein, c'est il y a une confiance dans la science qui est assez établie, mais deux, il y a quand même des signaux qui montrent qu'il faudrait faire attention, et il y a un certain nombre de précautions qu'il faut prendre pour faire attention. Ce qu'a dit Françoise Combes tout à l'heure, c'est il peut y avoir un glissement sémantique entre science, progrès, qui dit progrès dit croissance, et qui dit croissance dit changement climatique. Je vais très rapide, hein, c'est très rapide. Et en fait, non, je veux dire, le scientifique apporte des connaissances, fait avancer des connaissances, les met sur la table. Ces connaissances peuvent apporter des progrès par les avancées des techniques, et c'est souvent difficile de séparer les sciences et les techniques parce que c'est très lié. Et après, nous, on s'arrête là, en fait. On s'arrête là au sens où on apporte des connaissances aux décideurs politiques, on apporte des connaissances à un certain nombre de choses, et surtout, il ne faut pas qu'on aille plus loin. Et c'est toute la difficulté qu'on a. Hein. Je veux dire, ce que disait Françoise Combes tout à l'heure sur le débat sur la mécanique quantique, il faut voir qu'un grand génie comme Einstein s'est arrêté parce que la mécanique quantique remettait en cause sa croyance en Dieu, en fait. Il s'est dit, non, c'est pas possible, Dieu ne peut pas jouer au dé, donc je ne crois pas à ça. Et donc, il a arrêté de comprendre. Et tout, c'était Einstein, c'était pas n'importe qui. Hein. Donc, voilà, il faut s'arrêter à la production des connaissances. Et à partir de là, il y a... Tout scientifique peut avoir des opinions, mais il faut d'abord qu'il dise qu'à ce moment-là, c'est des opinions. Et, comment dire, si on revient sur la crise du Covid... Hein, ou la crise du Covid, on a poussé les scientifiques à donner des explications, à demander des réponses aux scientifiques, et qu'ils n'avaient pas, en fait, parce que les connaissances ne permettaient pas de donner ces réponses, et pourtant la population, enfin, les médias avaient besoin de ces réponses et poussaient. Il y en a certains qui sont rentrés dans le jeu. Il y a des scientifiques qui sont allés trop loin, qui sont mis à donner des réponses alors qu'ils n'avaient pas les résultats, qui sont mis à sortir de leur champ de connaissances. Et ça peut faire beaucoup, beaucoup de mal à la science, parce que la parole scientifique... Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas une opinion comme une autre. La parole scientifique, c'est des faits qui sont établis. Des faits qui sont établis. Je veux dire, ça fait 60 ans que les experts scientifiques disent que la planète se réchauffe et que c'est. Maintenant, c'est établi que la planète se réchauffe et que c'est lié à l'activité humaine et qu'on va vers des choses. Et après, c'est pas aux scientifiques de décider ce qu'il faut faire. C'est aux politiques qui sont les représentants de la population. Donc, c'est. Voilà. Et alors, hier, lors de la soirée d'ouverture, Cédric Villani était intervenu et lui-même disait « la science, c'est une démarche ». Donc, il y a effectivement, le scientifique doute aussi, parfois, il y a une démarche scientifique dont il faut tenir compte. Est-ce que cette démarche-là, il faut en tenir compte dans le débat ? Parce que finalement, on parle aussi de débat quand on parle de science ou pas. Quel rôle peut avoir ce doute scientifique dans le débat démocratique aujourd'hui ? Vous avez une idée, Alain Schulz ? C'est très intéressant. D'abord, c'est le doute, hein, fait partie de la démarche scientifique. C'est-à-dire que chaque fois qu'on voit quelque chose, chaque fois qu'on voit un résultat scientifique, on commence à réfléchir, est-ce qu'il n'y a pas un biais, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai vu. La science, enfin en tous les cas, certaines sciences sont organisées au fait qu'une fois qu'on a un résultat, ben, on le confronte avec le premier cercle. On va le confronter les idées avec le premier cercle. Le cercle va nous dire non, mais ça, c'est n'importe quoi, ou non, c'est vas-y, continue, vas-y, avance. Après, on écrit une publication. Cette publication est envoyée à des pairs qui vont regarder le chose. Et si ça s'est fait, ça veut dire que c'est globalement accepté par l'ensemble de la communauté et que ça devient un fait scientifique qui est ça. Après, il y a des choses qui sont moins claires certains domaines où il peut y avoir des débats entre différentes écoles et différentes. Ce débat arrive à des consensus à un moment donné et des faits qui sont établis. Et donc c'est ça qui est important. Et il ne faut pas confondre ça, ce doute-là, avec un doute qu'on mettrait dans les faits qui sont scientifiquement établis. C'est-à-dire un doute que mettraient certains non-scientifiques. Et effectivement, ce que je veux dire, c'est que si on ne fait pas attention, oui, la démocratie peut être en danger parce que la science est remise en cause. Quoi. Jean-Noël Castorio, vous pensez que le doute, c'est important aussi, ou en tout cas l'explication de la démarche scientifique ? Ce qui a été dit par tout le monde ici, hein, le doute, c'est la science. La science, c'est le doute. Les fake news, hein, ou les fausses nouvelles, ce sont des vérités révélées. Ce ne sont pas des vérités prouvées.
Et donc, en fait, en réalité, ce qui différencie justement la fausse nouvelle de la science, c'est bien cette question du doute. Je dirais, tout le monde connaît l'aphorisme de Descartes, je pense, donc je suis, pour un chercheur, c'est je doute, donc je suis, me semble-t-il. Maintenant, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que, contrairement à ce qu'on peut croire, la science réfléchit depuis très longtemps sur ces méthodes. Et les discours les plus violents contre la méthode de la science, ils viennent de scientifiques eux-mêmes. Et ça, je pense qu'il faut... C'est peut-être quelque chose qu'on n'enseigne pas assez, me semble-t-il. C'est que c'est vraiment au cœur de la science même d'être très critique vis-à-vis d'elle-même. On a des philosophes de la science, notamment en France, qui a été une des grandes écoles de philosophie de la science dans les années 60, 70. On a des philosophes, des scientifiques qui ont critiqué la méthode. Deux livres à lire, me semble-t-il. C'est Contre la science de Paul Feyerabend, qui est un livre en 1975, qui fait l'effet d'une révolution, qui critique la méthode scientifique, qui vient d'un scientifique. Et puis les travaux de Bruno Latour, qui est peut-être notre philosophe le plus lu à l'étranger, et notamment dans les pays anglo-saxons, c'est un des grands philosophes du XXe siècle, qui finalement démontre que bon, l'idée que tout peut être reproduit, que la validation scientifique, c'est le fait de pouvoir reproduire à l'identique une expérience, c'est fondé sur un nombre de postulats qui sont critiquables, qui reprend toutes les théories qui, à une certaine époque, ont été considérées comme des vérités, et qui se sont depuis effondrées. Alors, il parle bien évidemment récemment de la mémoire de l'eau, l'histoire de la fameuse mémoire de l'eau, etc. Au début du XXe siècle, les rayons N, qui avait été créé à Nancy, la ville de Nancy, c'est pour ça qu'il s'appelait N et qu'il était censé jouer le rôle des rayons X. Et bon, évidemment, c'était une erreur d'interprétation, etc. Donc ça vient, la critique, elle est là. Elle est vraiment dans la science elle-même. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est pas parce qu'on doute. On a dit qu'il n'y a pas de vérité, c'est vrai. Mais il y a quand même des choses, me semble-t-il, dont il faut dire que ce sont des vérités. Je vais prendre mon point de vue d'historien. Je suis plutôt relativiste dans mes recherches. Hein, c'est-à-dire, je pense que bon, c'est dur d'arriver à la vérité. Mais je pense que dans le discours qu'on a, il y a quand même, on peut distinguer différents niveaux. Un historien, il travaille sur des documents. Il y a des documents qui montrent indubitablement un certain nombre de choses. Et à chaque fois qu'on a essayé d'aller contre, ça a été non avéré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les documents prouvent indubitablement que oui, les chambres à gaz ont existé, évidemment. Je renvoie au très beau livre de Pierre Vidal-Naquet dans les années 80, quand le révisionnisme commence, la négation de l'Holocauste commence à se répandre, qui écrit un livre magnifique pour répondre argument par argument. Il dit on ne peut pas se contenter, hein, il faut bien répondre par argument et prouver. Oui, donc ça existe. Oui, l'homme a été sur la Lune, on en a des preuves. Quand il y a des documents, parfois les documents ne prouvent pas forcément. Je prends un exemple très célèbre, les documents ne prouvent pas que le Christ a existé. Ponce Pilate, oui, on a des preuves dans les textes de l'époque, dans les inscriptions, etc. Mais le Christ, non. Par contre, il y a un consensus scientifique très majoritaire pour dire qu'il a existé. Et puis, il y a la troisième catégorie, c'est celle qui m'intéresse, c'est quand les documents sont susceptibles d'être interprétés de manière différente. Et là, je pourrais vous faire la liste des débats qui ne sont pas clos depuis la Renaissance. Il y en a un paquet, hein. Par exemple, la nature de la République romaine, régime démocratique ou pas. Mais on peut venir encore récemment. Est-ce qu'il y a eu un fascisme en France dans les années 30 ou pas? On ne m'apprenait pas la même chose il y a 30 ans à l'université qu'aujourd'hui sur ce sujet. Voilà. Il y a des niveaux, mais on atteint quand même un degré de certitude, et je pense que c'est important de le répéter. Il y a des choses qui sont tout simplement prouvées. Effectivement, le doute, c'est très bien, visiblement, mais toutes les vérités ne se valent pas. Et pour ça, rien de mieux pour bien douter qu'un citoyen éclairé. C'est important dans le débat démocratique, et sensibiliser. Bruno Macquart, comment vous faites pour sensibiliser et éduquer le public aux sciences? Alors, je crois qu'il y a deux choses importantes qui viennent de la science et qui peuvent nous servir tous et toutes, en particulier les jeunes. Il ne faut pas avoir honte d'échouer, c'est bien d'échouer, parce qu'on apprend de l'échec. Échouer, c'est progresser, et réussir, c'est bien. Mais on ne réussit jamais, en fait, si on n'a pas échoué à un moment donné. Et la science, c'est une méthode d'essai-erreur permanente. Deuxième sujet, poser des questions. Soyez curieux. Il faut poser des questions. Et nos établissements sont des établissements dans lesquels on rentre avec des questions, où on peut parler au musée. On est des musées conversationnels, surtout quand vous avez des personnes en face de vous. Le Palais de la Découverte, ça a son grand mérite, sa grande réussite. C'est que vous ne voyez pas des machines devant vous, vous voyez des gens. Et des gens, on leur parle. On peut échanger, leur poser des questions. Il faut poser des questions, être curieux, c'est ça qui compte. Et les scientifiques, ils doutent, ils échouent, ils sont curieux, ils se posent sans arrêt des questions sur le monde, ils remettent en cause tout ce qu'ils pensent comme établi. Et c'est ça la force de l'esprit scientifique, et qui est utile au fonctionnement de la société, qui est utile pour devenir soi-même, qu'on devienne scientifique ou pas. Mais chacun en a besoin aujourd'hui. Et c'est ça que nous essayons
aussi dans nos établissements, de dire au public, venez avec vos questions et on va essayer d'y répondre. C'est un peu l'idée de la science participative aujourd'hui. Vous avez un... Alors ça, c'est encore autre chose. C'est comment est-ce qu'on peut faire des citoyens, des contributeurs de la recherche. Aujourd'hui, on est capable de mobiliser, par exemple, de nombreux amateurs pour compter les papillons dans un jardin, dans leur jardin, un jour donné. Et du coup, vous aidez les chercheurs du muséum parce qu'ils ne peuvent pas déployer 20 000 personnes sur le territoire un samedi et un dimanche pour compter les papillons. Par contre, si vous avez autant de laborantins amateurs que de personnes qui s'y intéressent, et bien, du coup, vous avez une force formidable. C'est ça, les sciences participatives, c'est très fort. Ça se développe. Il y a de nombreux domaines dans lesquels ça se développe. Mais on est aussi de plus en plus des endroits dans lesquels on invite les gens à faire des choses. Par exemple, se familiariser avec la fabrication numérique, comprendre d'où vient la technologie. Un Fab Lab, une imprimante 3D, ça vient d'où ? Eh bien, ça puise aux sources de sciences très fondamentales, très exactes. Et puis aussi, ça va vers des usages qui sont mis en question, mis en culture chez nous. On n'est ni technolâtre, ni technophobe. On donne aux gens les clés pour se poser des questions et puis repartir avec des réponses, et puis envie d'en savoir plus. Nous, on n'est pas là pour éduquer, on n'est pas là pour dire le vrai, on n'est pas là pour dire le juste, on est là pour que les gens grandissent, deviennent des citoyens, aient envie, selon leur histoire propre. Les Québécois parlent de capacitation, c'est un très beau mot. On capacite les gens. Vous sensibilisez les publics aux fake news aussi ? Alors, on les sensibilise tellement qu'en fait, nous avons lancé cette année une série de manifestations qui est regroupée sous le nom de Printemps de l'esprit critique. Nous avons des médiations détox. Bon, ça, c'est un petit, une petite facilité de langage pour dire comment est-ce qu'on peut repérer une fausse information, comment est-ce qu'on peut l'analyser, comment on peut se méfier des images, que les images aussi peuvent être aujourd'hui influencées. Nous avons une très belle exposition, l'exposition Atelier, qui s'appelle « Esprit critique, détrompez-vous ». Elle a été dans plusieurs villes, elle est en ce moment à Toulouse, et nous rêverions qu'elle vienne au Havre l'année prochaine. Voilà, le message... lancé dans la salle aux autorités de cette belle ville et aux responsables de ce beau festival. Alors, communiquer, c'est très bien, mais pour faire confiance à la science, il faut aussi garantir son intégrité. Françoise Combe, comment est-ce qu'on fait pour garantir l'intégrité du scientifique aujourd'hui ? Alors, intégrité, bon, c'est un nom qui recouvre beaucoup de choses. Il y a plusieurs aspects que je vois. Il y a déjà dans les médias. En fait, je pense qu'en effet, certains scientifiques sont un petit peu exagèrent un petit peu leurs découvertes, par exemple. Ils sont aidés aussi par les journalistes qui veulent faire des scoops. Donc très souvent, ils ont fait une découverte, ils sont très contents qu'on en parle et qu'il y ait un impact, mais ils exagèrent un petit peu. On a l'impression que toutes les semaines, on a redécouvert quelque chose, et puis la semaine d'après, on a redécouvert encore. Et ça décrédibilise un peu aussi les scientifiques. Donc il faudrait qu'à chaque fois qu'il y ait une découverte, on la garde à son niveau réel, et on ne essaie pas de broder et de montrer que finalement on a tout redécouvert et tout révolutionné. Donc je pense que ça c'est une partie d'intégrité. Ce n'est pas faux, mais c'est un petit peu trop exagéré. Et donc je pense qu'il faut aller contre cet effet. Et puis l'intégrité, je pense que les scientifiques sont en effet, comme le disait Bruno Macquart, il y a une certaine censure de la communauté, parce qu'en fait on a vu qu'il y a des archives ouvertes sur l'Internet, que tout le monde peut publier, mais lorsqu'il y a des arbitres qui relisent ces découvertes et qui discutent avec l'auteur pour voir un petit peu, non, ça ne va pas, c'est complètement faux, etc. Donc tout ce qui est filtré ensuite et qui est publié dans les revues spécialisées, normalement a un certain filtre. Bon, c'est pas 100% vrai, hein, on voit, puisque par exemple la mémoire de l'eau s'était passée dans Nature, donc il y a des erreurs, il y a des fake news qui passent, mais enfin c'est 1% même pas. Donc je pense que là la recherche se fait en groupe, et en effet si quelqu'un débloque complètement, les autres vont le remettre en ligne. Donc je pense qu'il faut faire confiance en cette communauté qui est vraiment source d'intégrité et de
de vraies nouvelles. Hein. Je pense que ça, c'est... En fait, quand on parlait de doute, je pense qu'on peut tout remettre en cause. Bon, évidemment, pas le fait que la pomme tombe, comme Newton le disait, mais même quand on regarde la gravité, on a vu qu'Einstein avait déjà étendu Newton. Il avait montré que dans le système solaire, bon, tout correspondait à Newton, mais il y avait quand même la précession des périhélies de Mercure qui montrait qu'il fallait étendre. Et puis aujourd'hui, on remet en cause Einstein. Donc on n'est pas tabou. Hein, tous les grands géants que sont Newton et Einstein, on s'aperçoit que tout d'un coup, il y a des tas de matières noires et d'énergie noire dans l'univers, et que ça nous amène à complètement changer la gravité. Donc vous voyez que même le doute de tous ces grands géants, on est obligé de le mettre en doute à un moment donné, bien que évidemment dans le système solaire, ça va être conservé, hein, Newton et Einstein dans le système solaire, mais dans tout l'univers, dès qu'on va dans la galaxie, ce n'est plus vrai. Donc vous voyez, il faut vraiment mettre en doute tout. Rien n'est vraiment acquis à un moment donné. Et ça, c'est tout l'ensemble des scientifiques qui sont d'accord et qui poussent derrière. Très bien, merci pour ces interventions. Donc on a parlé de débat démocratique, c'est le moment de le mettre en pratique et de poser vos questions aux intervenants. Ne soyez pas timides. Il y a des micros qui vont circuler, il suffit de lever la main et une hôtesse ou un hôte vous donnera un micro. Donc je vois qu'il y a un monsieur là. Bonjour Alain Cantet. Je me permets d'aborder un sujet qui n'a pas tout à fait été abordé, c'est comment se finance la science. En général, les chercheurs ont besoin d'argent pour leur recherche. Où vont-ils la chercher, cet argent? Et de ce fait, sont-ils un peu les mains liées à ces entreprises ou ces grosses fortunes? Et du coup, la science s'en prend un petit coup. Et par ailleurs, je voudrais dire que, au sujet de l'exemple du Covid, vous dites qu'il faut absolument confronter entre scientifiques pour que la vérité éclate. Or, lorsque la politique s'en mêle, lorsque les puissances financières, ceux qui fabriquent les soi-disant vaccins, moi j'appelle pas ça des vaccins, bref, ça change tout. Parce qu'il y en a qui ont le droit de la parole et d'autres qui ne l'ont pas. Merci de vos réponses. Qui souhaite répondre ? Oui, juste, comment se finance la science, en tous les cas en France, hein. Moi, je m'occupe du CNRS, hein, le Centre national de la recherche scientifique. Le budget du CNRS, c'est autour de 3,7 milliards d'euros, hein, qui organise la recherche dans l'ensemble des... Et sur ces 3,7 milliards d'euros, il y en a 2,6 qui viennent directement de la subvention de l'État. Le reste vient de contrats qui sont récupérés par les chercheurs, mais qui sont des contrats publics, hein, qui viennent de l'Agence nationale de la recherche et qui viennent aussi de l'Europe. Et pour une toute petite partie, autour d'une centaine de millions, hein, c'est-à-dire 100 millions sur 3,7 milliards, qui viennent de collaborations scientifiques avec des partenaires industriels et des partenaires industriels français avec lesquels on a des collaborations. Donc globalement, la grosse majorité de l'argent, c'est de l'argent public. Et ça, c'est important, c'est capital pour l'indépendance de la science. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je veux dire, nous, on est des scientifiques, on établit des faits scientifiques, et après, on est là pour éclairer la parole des politiques, pour leur amener des éclairages. Mais en aucun cas, on doit passer de l'autre côté de la barrière. Hein. On doit passer de l'autre côté de la barrière, c'est du côté de prendre des décisions scientifiques, des décisions politiques à la place des politiques, ou prendre des décisions, je veux dire. Un autre débat, hein, c'est à quel moment, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur l'écologie au CNRS, qui font des découvertes qui montrent que la planète va mal, et qui ont envie d'aller du côté du militantisme. Ben, à partir du moment où ils vont dans le militantisme, ils arrêtent d'être scientifiques à ce moment-là, quoi. Il faut qu'ils disent qu'ils sont militants, parce qu'on travaille, nous, que sur des faits qui sont établis et qu'on établit collectivement. Oui, Lucie. Oui, évidemment. Enfin, c'est une question complexe. Moi, je pense qu'il y a une opposition un peu trop simpliste. C'est-à-dire entre la science, les universités, les grands organismes de recherche qui seraient vendus aux entreprises, etc. Et puis de l'autre côté, des youtubeurs courageux qui dénonceraient, ou youtubeurs ou autres, etc., des complots, etc. L'avantage, c'est que nous,
enfin, du côté scientifique, du côté des universités, on connaît nos budgets, on sait comment ils sont faits, ils sont publiés tous les ans. Nos sources de financement, elles sont visibles. Effectivement, à l'université du Havre, je peux vous donner les chiffres, ce serait fastidieux, mais l'essentiel, l'énorme majorité des financements viennent de l'État. Hein, on est de l'ordre, je pense, au-delà de 90%. Hein, donc, bon, voilà. Mais il faudrait demander, du coup, aussi, c'est un peu là où je dis c'est naïf, c'est de penser que de l'autre côté, de ceux qui critiquent la science officielle, il n'y aurait pas des enjeux, financiers et autres. Et là où ils sont les chiffres, où est-ce qu'ils sont publiés, les bénéfices qui sont faits sur les fausses news? Est-ce qu'il y a, une comptabilité ouverte et accessible des fake news? La vérité, c'est non. Pas nous. Enfin, nous, je ne veux pas non plus utiliser le « nous » et le « compte » parce que ce serait un peu absurde. Mais en tout cas, dans les organismes publics, oui, il vous suffit de demander. Et vous aurez les chiffres. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, messieurs, dames. Vous disiez tout à l'heure, en fait, j'ai plusieurs choses à dire. Je crois que c'est monsieur Alain Schulz qui disait tout à l'heure, les scientifiques mettent sur la table leurs connaissances et s'arrêtent là. Or, par le passé, on a des exemples où c'est allé un petit peu plus loin. Donc, pour être un petit peu caricatural, je vais citer le professeur Oppenheimer, par exemple, qui a carrément travaillé sur le projet de la bombe atomique avec beaucoup de grands noms de la physique de l'époque. Il y a aussi autre chose, alors j'en suis pas sûr, mais il me semble que l'homéopathie, par exemple, est toujours enseignée à l'université. Donc moi, je me posais une question, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir profondément en fait, la manière dont la science est enseignée à l'école, et ça, dès le plus jeune âge? J'ai l'impression que, là, en France, en tout cas, ce qui est la science qui est enseignée à l'école est tout à fait la science... officiel. Vous pensez peut-être dans le Kansas ou dans les États-Unis où on enseigne quelque chose qui est complètement, par exemple, contre l'évolution de Darwin. Je pense que c'est aux États-Unis qu'il faudrait avoir ce genre de questions. En France, ce qui est enseigné est complètement dans les sciences officielles. Je ne pense pas qu'il y ait des débordements de ce côté-là. Je vais répondre à côté de la question, mais c'est... la réponse est tellement importante que je vais la donner quand même, au sens où ce qu'il faut enseigner, que ce soit à l'école primaire jusqu'à l'université, c'est d'abord la démarche scientifique. D'abord, la construction, la méthode de construction des connaissances, ces méthodes essais-erreurs qui permettent d'avancer, de reculer, de bien comprendre. Et à un moment donné, les choses sont établies. Moi, j'ai été enseignant, avant de m'occuper du séminaire, j'étais enseignant à l'université. Quand on sait que la plupart des gens qui sont en première année d'université ne vont pas terminer dans les laboratoires de recherche et qu'au bout de 10 ans, ils sauront plus ce que c'est que des équations de Bernoulli. En revanche, si on leur a donné la méthode pour réfléchir quand ils ont une fake news et un résultat en phase 2, et bien ça, ils le garderont toute leur vie. Donc ça, c'est sûr qu'au niveau de l'enseignement, ce qu'il faut enseigner, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, là. Bonjour. Hier soir déjà avec M. Villani, aujourd'hui avec les personnes très référentes que vous êtes, ce que j'ai entendu, c'est le doute dans la démarche, du scientifique, de toujours douter. Et très sincèrement, je vais peut-être parler à la première personne, je suis très déstabilisé. J'étais venu avec un titre « Faire confiance à la science ». Et j'attendais un discours où on allait exprimer des certitudes. Des certitudes pour nous donner confiance, pour que nous ayons des repères, pour que nous sachions où trouver, excusez-moi, je me répète, de la référence, quelque chose d'établi. Je vous ai entendu, tout est basé sur des faits. Les faits, eux, ne bougeront pas. Les faits sont têtus. Mais face aux fake news, face à un tsunami de communication qui sont basées sur des convictions, comme vous l'exprimiez, qui sont basées sur des croyances. Où est la vague en face? Où est la communication? Où est la structure qui nous permet d'accéder aussi facilement à des faits reconnus? Vous parliez des journalistes, par exemple, qui ont besoin de scoops, de certaines entités qui ont besoin de résultats commerciaux, qui ont besoin de pubs, parce que le nombre de clics, etc.
Et en face de ça, s'il vous plaît, que faites-vous ? Que faites-vous ? Je peux commencer peut-être à répondre, parce qu'en fait, il y a énormément, on a peut-être un peu trop exagéré dans le doute, donc c'est un balancier, hein, en fait. Il y a en effet un doute, mais il y a aussi quand même, quand on se regarde dans le rétroviseur, énormément de vérités qui ont été établies quand même. Il y a un établissement, enfin un building, si je puis dire, qui est construit quand même. Donc tout ça, on peut regarder à la fois dans les livres, dans les cours. Par exemple, au Collège de France, nous faisons des cours tous les ans, il y a 600 cours, hein, donc je le disais. Et là, on enseigne ce qui est acquis, plus ce qui est en train de se faire, c'est-à-dire que la recherche, en fait. Donc il y a à la fois l'ouverture, et puis à la fois ce qu'on a acquis. Et ça, vous pouvez le trouver un petit peu n'importe où. Sur Internet, il y a un outil qui est très intéressant, Wikipédia, qui très rapidement vous donne un petit panorama des connaissances acquises. Et je suis toujours surprise que même si quelqu'un essaie de mettre une fake news là-dedans, le lendemain, elle est effacée et il y a quelque chose qui est revenu à ce qui est vraiment acquis, une vraie news. Donc sur Internet, aujourd'hui, il est très facile de se rendre compte de ce qui est acquis. Il y a énormément de choses qui sont acquises. Et quand on regarde les faits, on a l'impression qu'il n'y a plus rien à découvrir parce que les faits sont les faits. On a toujours tout vu. En fait, pas du tout. Il y a encore, on découvre, on a des instruments nouveaux, par exemple des télescopes en astrophysique, le James Webb télescope, qui nous découvre des tas d'autres faits. Et alors, les autres faits peuvent remettre en cause les faits connus. Donc, c'est pour ça que la science est toujours en mouvement et n'est jamais arrêtée à un moment donné. Mais tout de même, on s'arrête et puis on regarde que tout ce qu'on a acquis et bien offert au public pour se faire une idée. Bruno Macquart. Oui, j'ai une réponse assez simple. Venez nous visiter. On est là pour ça, en fait. Nous, on est là pour ouvrir les laboratoires et permettre aux chercheurs qui cherchent de s'adresser à vous de la manière la plus simple possible. La Cité des sciences et de l'industrie, on vient d'ouvrir une exposition sur les cancers. Eh bien, elle donne la parole aux chercheurs. On dit à la fois ce qu'on sait, c'est la science, et puis on dit ce qu'on ne sait pas encore, les domaines de recherche. Le doute, c'est une méthode pour faire progresser la connaissance. Ça ne dit pas que tout ce qu'on a accumulé doit être remis en doute. Une exposition comme cancer, elle permet d'avoir accès sur un mode le plus, on espère, le plus efficace possible, parce que nous sommes des médiateurs, on est des passeurs. Hein. On prend la connaissance produite par mes voisins, et puis on la partage avec vous de la manière la plus efficace, la plus rigoureuse possible, ce qui fait qu'on s'entoure toujours des conseils, du concours d'une institution de recherche. Par exemple, l'année prochaine, sous commissariat de Jean Jouzel, on ouvre 2000 m² d'exposition permanente urgence climatique avec le partenariat scientifique du CNRS. L'exposition sur les cancers, nous sommes en partenariat scientifique avec l'Institut national du cancer. Nous sommes des lieux dans lesquels vous avez accès à la science et aux questions qui ne sont pas encore résolues, c'est-à-dire à la recherche. C'est intéressant quand on dit, par exemple, que les chercheurs s'intéressent au changement climatique, ben, ça veut dire quoi ? Qui se pose quel type de questions ? Ben, c'est chez nous qu'on est capable de vous mettre sur la piste. Puis après, vous irez sur Internet. Puis après, vous irez écouter François Combe, parce qu'il n'y a quand même rien de mieux que d'écouter un scientifique. Mais ils ne peuvent pas faire ça toute la journée, tout le temps, parce qu'ils cherchent. Et donc, nous sommes là aussi, nous, pour démultiplier les efforts des chercheurs en direction de la société et entretenir un dialogue avec vous. Il n'y a pas de mauvaise question. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce qu'on dit. Il faut même douter de ce qu'on vous dit. Mais en tout cas, nous sommes là pour ça. Venez nous rencontrer. Et les enseignants, venez avec... avec vos élèves, nous serons ravis de vous accueillir. Oui, puisqu'on est un peu dans la promotion, l'Université du Havre est ouverte aussi, hein, je rappelle. On accueille tous les ans beaucoup, beaucoup d'auditeurs libres. En histoire ancienne, j'en ai toujours eu au moins un tiers dans mes cours, ou un quart. Hein. Il y a toujours des gens qui viennent. Et puis par ailleurs, on organise énormément d'événements, et là c'est peut-être un problème de communication, ça ne se diffuse pas nécessairement assez bien, mais énormément d'événements, de rencontres, de vulgarisations tous les ans. Et évidemment, l'université, c'est une structure ouverte. Hein. Ce n'est pas un lycée ou un collège, c'est une structure ouverte sur la cité. Le campus, vous entrez dedans, vous passez directement de la ville au campus. Donc profitez-en, on a une offre de formation gratuite en plus, absolument considérable. Monsieur, il y a une question. Ah, allez-y, à intervenir. Oui, oui, je veux dire, quand même, on a des certitudes. Hein, je veux dire, ce que je disais sur le changement climatique, quand on dit que
la planète se réchauffe et quand les spécialistes du GIEC nous disent que si on ne fait rien, on va arriver à plus 7 degrés, plus 9 degrés d'ici la fin du siècle, ça c'est des faits qui sont avérés, qui sont établis. Hein, quand on regarde tous les jours des glaciers qui disparaissent de la surface du globe ou des glaciers en Arctique, ça c'est des faits qui sont avérés et qui sont établis. Alors peut-être que pour le débat d'aujourd'hui, on a insisté sur le doute, mais vous inquiétez pas. Et puisqu'on est dans la pub, je vais vous faire aller voir le journal du CNRS, vous verrez, il y a énormément de faits établis qui sont très importants et qui sont accessibles sur le site web du CNRS. Question au fond de la salle, monsieur. Donc, trois questions. Est-ce que les difficultés qu'on peut avoir quand on est scientifique, ou plutôt les difficultés que la science a, ne sont-elles pas similaires à celles que la démocratie a, c'est-à-dire une remise en question des faits pour la science et du résultat d'une mandature à chaque élection, ce qui fait que la démocratie est aussi, à la différence d'un régime autoritaire, sans cesse questionnée. Donc est-ce que science et démocratie n'ont pas finalement cause commune à faire ? La deuxième question, c'est pour faire confiance à la science, ce qui peut-être rend la chose plus difficile aujourd'hui, c'est que la science est maintenant dans des zones où nos sens ont beaucoup plus de difficultés à en apprécier les résultats, notre intellect aussi, et notre aussi ce qui, on parle des médias, mais les médias mettent en avant un certain nombre de connaissances, de connaissances culturelles et artistiques, et sont beaucoup plus timides pour arriver à maintenir les connaissances scientifiques qu'on a pu acquérir pendant nos scolarités. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un travail très important à faire de ce point de vue-là ? Et puis la troisième chose, justement, dans une politique culturelle au niveau d'une ville, qu'est-ce qu'il faut faire de plus qu'un événement comme celui d'aujourd'hui qui ne dure que 3 jours, alors que la vie des citoyens, c'est 365 jours par an ? Merci pour ces questions. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je vous laisse répondre rapidement à ces trois questions. Je vais répondre en 15 secondes à la première question, et qui est très, très importante, hein, qui est est-ce que la démocratie est... Oui, bien sûr. Et la question, c'est, les questions scientifiques deviennent de plus en plus compliquées, les questions démocratiques deviennent de plus en plus compliquées. Ben oui, ben pour être un citoyen, ça demande du temps, de l'énergie, ça demande à s'intéresser aux choses. Pour être comprendre un peu la science, ça demande aussi de s'investir, de passer du temps à essayer de comprendre, parce que sinon, si on reste dans l'obscurantisme, on aura du mal. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir plus d'événements comme celui-ci. Il faut avoir aussi aller au palais des découvertes, j'allais dire, à Universcience, et pour apprendre. Et devenir un citoyen, ça demande un petit peu d'investissement. Et vous êtes, je vois beaucoup de jeunes ici, n'hésitez pas à vous investir, parce qu'on a besoin de vous pour l'avenir. Merci beaucoup. Cette table ronde se termine.